Salut à tous et à toutes, c'est Kurtzavio et c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops. Oui, je suis retourné sur Black Ops. Ça me fait mal de dire ce mot. Tout simplement parce que Warfare 3 m'a vraiment, comme j'avais dit avant, hein, m'a vraiment réellement cassé les couilles. Et Warfare 2, ben, j'ai un peu joué plus tôt, mais je me faisais démonter par des lance-patates et des UMP, donc j'avais un peu marre. Donc, mes classes, j'ai le MP5K, viseur laser, stack-out, MP5K, encore une fois, holographique, tir rapide, FAMAS, que beaucoup de personnes trouvent abusé ou cheaté. Le L9A1, chargeur amélioré, je sais peut-être que vous en avez rien à foutre, mais j'ai quand même envie de le faire. Le L9A1, chargeur amélioré. Ça, c'est la classe spéciale quand on me casse trop les couilles. Bon, je me fais démonter aussi, mais bon, au moins ils voient ce que ça fait de retourner leurs propres armes contre eux. Et ça, c'est une classe que j'ai jamais utilisée en fait. La preuve, j'ai aucun atout en pro. J'ai même pas mis passe-passe dessus, donc. Alors, je joue. Je vais faire une petite partie en match avant par équipe en espérant que la partie soit complète. Ne soit pas démarrée. Pas démarrée, bon, mais quoi. Bon, on va mettre aléatoire. Alors, principalement, je joue avec cette arme. Comme j'ai déjà expliqué, ça me casse trop les couilles, je joue avec cette arme. Et sinon, des fois, je joue avec ça ou avec ça. Ça varie. Ça varie quand j'ai pas envie de jouer au snipe, quand je sais que je galère. Ah, j'ai voté aléatoire, c'est vrai. Oui, j'ai une mémoire très courte aujourd'hui. Peut-être parce qu'on est samedi et que j'ai pas envie de me rappeler de tout. En cas si la vidéo sera mise sur YouTube avant la troisième manche de Forza 3, enfin, du championnat, je tiens à préciser qu'en fait je galère un peu pour pouvoir envoyer une vidéo de 3 heures. Et en fait j'essaye d'abord de l'envoyer directement sur YouTube pour que ça prenne un peu de moins de temps, mais en fait ça prend plus de temps donc pas me faire chier, je continue à l'envoyer comme d'habitude. Mais c'est que le petit problème c'est que des fois on voit des traits qui partent dans tous les sens. Putain merde, faut que je passe ce son. Voilà, donc le son est baissé. Alors attention, on lance Automoke across the map. Oui, comme vous pouvez voir, il y a Théo qui parle sur le côté. Mais de toute façon, on s'en fout parce que vous ne l'entendez pas. Que vous insultez, vous ne l'entendrez pas. Oh, un noscope, magnifique noscope. Oh, le couteau qui rentre pas. Oh, un Olympia. Génial. Allez, on retente le Tomahawk across the map. Théo. Ouais, non. Non, j'ai même pas envie de le dire. J'ai même pas envie de lui parler. Donc, ce que je vais faire, je vais vite baisser le son du micro. Mais, ah non, mais je me suis refait tuer par le même. Mais sérieux. Enfin, peut-être par le même, mais par la merde. Voilà, donc il parle dans le vide là. Oh non, mais encore? Non, mais. Je me plains quand même de Warfare 3 avec ses spoons assez anarchiques. Mais bon, faut pas oublier que Black Ops aussi, il a des spoons. Assez anarchique. Oh, une clé mort. Oh merde, un ennemi aussi. Je sais pas où, mais un ennemi. Coucou toi. Hein? Il te marque là? Ah, bah où? Ouais, non. Non, là, c'était. Ah, un tir dessus. Tir dessus, le petit connard de barreau. Ah, mais non. Bah, et voilà, il me tue. Oh. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai gagné le point. Là, dans ce jeu, je n'ai à peu près rien à foutre du ratio. Tout simplement parce que. Pourquoi? Ben, parce que ça fait assez longtemps que je ne suis pas revenu dessus. Oh, tiens, mec. Non. Non, il ne veut pas repasser. En fait, non, il est mort. Ah, il y a déjà un hélico d'attaque. Génial. Alors, nous courons, nous courons, nous courons. Oh, nous voyons un ennemi qui se barre. Ah, nous parlions. Ya! Couteau! Ouais! Il est passé. Ah non! Ça me bousille l'écran ça. Donc, putain, je sais pas si j'avais expliqué, mais en cas si j'ai expliqué, je me répète. J'affiche le truc. Les scores. Quand je suis flashé pour éviter que l'écran se coupe, j'en commence à en avoir plus de ça. Donc, on va jouer aussi au fusil à pompe, hein, pourquoi pas. Donc, on va attendre de réapparaître. Donc, apparemment, sur la carte, il y a quelqu'un là. Il y a personne? Enfin, il y a quelqu'un? Bon, on tente encore le Tomahawk across the map qui ne touchera bien sûr personne parce que les peu de fois où je les mets, eh ben,
Ah putain, non, Dave. Avion Ah, espionné j'avais trop cru. J'y avais trop cru. Le hit marker est le plus qui apparaît. Oh, un coup de cut furtif. Ouais, non, là. Non, mais un hit marker, là, je suis pas d'accord. Bon, allez, c'est reparti pour le stack out. Allez, on fait un tomahawk. On essaie dans le tomahawk. Oh, bam! Oh, mais je me fais voler en plus. Allez. Encore le tomahawk alors que c'est exactement au même endroit où je viens de spawn, dont où j'ai spawn juste avant de mourir. Ouais non, tu crèves. Bon, je suis mauvais avec le fusil à pompe, je vais prendre le MP5-4 qui est rapide. Bizarre holographique. Il y a un point rouge là-bas, il y a un point rouge, allez. Ben non, il n'y est plus. C'est fait tuer? MP5-4, c'est longtemps que je n'ai pas utilisé d'ailleurs. J'ai mis ça, mais j'ai pratiquement jamais utilisé. Boum! Personne. Ça m'aurait étonné aussi. Il est bien là-haut. Boum! Personne. Ouais, bon. On va éviter de continuer comme ça. Ça sert à l'utiliser. Hey, je voulais la faire péter moi. Allez. Apparemment, il y a plein de petits ennemis qui. Ouh! Toi, tu crèves. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas très passe. J'ai mis. Oui, il faut que j'évite de recharger mon stop parce que sans passe-passe. Wow, 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 putain, deux grenades. Ah putain. Oh, je l'ai eu. Ah merde, je suis mort. Ah ouais, je suis bien mort. Bien ce que je me disais. Allez, apparemment, il y a des petits ennemis qui sont là. Oh merde, merde, merde. Oh merde, je suis mort. Bon, allez, on varie encore. On reprend le snipe. J'ai beaucoup d'imagination, je ne sais pas du tout quelle arme prendre sur cette map. Parce que des fois, ben, je prends le snipe, des fois je prends la mitraillette, des fois ça varie en plein milieu du match. Ça c'est un peu plus casse-cou. Fini déjà? Combien de temps? 7 minutes? Eh ben, c'est tellement, c'est passé tellement vite de faire cette vidéo. Même que c'est la première fois que je fais une vidéo ou une partie que j'ai l'impression que ça passe tellement vite. Franchement, c'est incroyable. 7-11. C'est pas fameux. Je remets le son, comme ça je pourrais l'entendre parler. Il dit plus rien, s'il est encore là. Ah, ben si, il est là. Il est là. Donc, on voit mes XP qui commencent à monter. Je fais 0,4 de ratio. Ben, je vais encore refaire une partie. Parce qu'apparemment, il y a Flying Venge. Et vu que j'adore cette map, donc ben, la vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu. Mais bon, franchement, moi ça me dérange pas. Voyons voir un peu les emblèmes. Beau. Ouais, bof. Ouais. Ouais, ça représente bien les hommes, ouais. Je suis d'accord. Ouais. Pas beau. Ça fait mieux sur ça. Ça, c'est mon truc. Ça en aime ou on n'aime pas. Là, ce sont des ennemis. Ça fait mieux sur le truc, ça aussi. Et ça aussi. Ah ben lui il a su très très bien représenter comment représenter un homme. Eh vous, qu'est-ce que vous voulez non? Donc on va reprendre un contrat. Hein, vu qu'on est. Ah ben même pas. Oh bon. Ben j'ai repris qu'un seul contrat sur deux. Bon c'est déjà ça. Là faut que je pense à ranger ça. Là. Oui parce que dans ma chambre il y a beaucoup de trucs qu'il faut que je pense à ranger que j'oublie. Chaque fois je me dis il faut que je pense à faire ça et jamais je fais. Faut aussi que je pense à faire la suite de la vidéo de Skyward Sword. C'est pas con ça. Enfin la suite du walkthrough. Ah mais non. Ah oui voilà, donc je vais expliquer, hein, donc j'y suis. Le walkthrough de Skyward Sword, je vais le continuer. Ne vous inquiétez pas, hein, il a pas été mis en pause comme Ocarina of Time. Quand tu crèves. Oh putain ça lag. Tout simplement je n'y joue pas pour l'instant. Ouh watch out. Enfin, je le fais pas pour l'instant parce que je compte finir le jeu avant. Vu que j'ai le jeu bientôt fini. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez me voir galérer réellement. Parce que je me rappelle à peine d'un quart des énigmes. Surtout ceux des premiers donjons. Je sais à quel point j'en ai bavé dans le Galion des Sables. Dans ces derniers donjons que j'ai fait. Je crois qu'en faisant la vidéo, je ne vais pas réussir à faire. Oui, comme on peut voir, j'ai réussi à faire un headshot et à crever en quelques points d'écart. En moins d'une minute. Ouais, bon. De toute façon, j'arrive bien à me faire tuer en. Ta mère. En beaucoup moins de temps.
Allez, nos scopes. Oh putain, il a volé. Un voleur. Garant 3-6. 3-6 nos scopes qui entrent. Ah! Oh merde, il aurait pas entré. Oh merde, il aurait. Ah ouais, il aurait réellement pu rentrer. Ah dommage. Bon allez, on va un peu camper. Hein? Ça dérange personne? De toute façon, il y a personne qui passe, donc. Oh non, le hitmarker. Oh non! Ah ça c'est dégueulasse. Ah non, mais c'est dégueulasse tout ça. Ah mais qu'est-ce qu'ils sont dégueulasses. Oh cool le Blackbird, ça c'est cool le Blackbird. Ah non mais franchement ça c'est dégueulasse ce qu'ils m'ont fait, le coup qu'ils m'ont fait là. C'est là. Putain, je peux faire un double. Juste que je trouve. Ah. Oh tiens, je sais pas que j'ai l'arbalète en un secondaire. On va essayer de la coller sur quelqu'un. Non bah en fait ce qu'on va essayer de faire c'est ça. 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 Parce que je peux faire une double facile en fait. Ya couteau Tomahawk. Merde. Bon. On aura essayé une action totalement minable. Oh tiens, il y a un Yui allié. Je vais éviter de me prendre la voiture qui explose, ça serait bien sympa. Il y a des gens. Ah il fait mort. Crève. Oui. Nya, tu es mort. Mais non mais pas la peine de me tuer, je suis un allié. Oui. À travers l'ennemi. À travers l'allié. Assist bang. Non mais non. Comment on dit allié en anglais? Moi je sais pas. E-cross l'allié. Hop là, le Tomahawk E-cross de map qui ne touchera jamais personne parce que je l'envoie totalement en dehors de la map. Le mec il vient de faire un triple feed avec son truc, mais bon c'est normal, hein, ça il oui. Mais il est encore là lui. Vous savez quoi, on va faire ça. Action suicidaire. Ah merde, il est là. Action suicidaire. Action suicidaire. Ah, je suis un peu coincé là. Oh, dans la tête. Crève. Ouh, j'ai bien mis dans la tête. Il y a quelqu'un là-haut. Non, il y a quelqu'un là-bas. Mais il est allié là. Ah, j'en peux rien. Ben voilà, je me fais tuer. Ah, ça m'énerve ça, les alliés qui coincent. Oh là là. Ah là là, qu'est-ce que ça m'énerve. Oh tiens, merde ça. Allez, on va tenter un coup de sop. Si je vois quelqu'un. La victoire est proche. Personne. 3, 6, 7, malade, je sais pas. Je sais pas combien. Lui il est mort. Allez, je suis mort aussi. J'ai fait un 5-5. Ouais, c'est déjà ça. Oui, c'est maintenant j'ai pris un réflexe, c'est de toujours regarder le score après que je me fasse buter. Ça c'est le réflexe de Warfare 3 pour vérifier mon ratio. Merde, il est mort. Je peux arrêter de me voler mes kills, ce serait bien sympa. Ouais, mais pourquoi des fois j'arrive à mettre des hitmarkers et des fois je tue personne. Oui. Il n'y a pas quelqu'un là. Notre avion espion a décollé. Faut que le mec me voit avec sa caméra. Ça, je sais que tu es là toi. Eh ben non, t'étais là. 6-6, ouais, bon bah c'est parti beaucoup moins bien que l'autre. Donc là, je peux remettre le son. Ah, mais j'avais déjà le son activé. Mais Théo, mais. Linky ne parle plus. Non, non, il parle plus. T'es là. T'es un enculé. Non, je déconne. Bon, 6-6, ratio de 1, c'est déjà ça. Moi j'aime bien. Bon, de toute façon, je m'en fous du ratio. Comme on peut voir, ce n'a pas été des réelles très très bonnes parties. Je voyais juste un truc. Six secondes, cinq secondes. Donc voilà, on va quitter la partie pour pas que je sois tenté de continuer la vidéo. Et non, j'ai. Bon, par contre, cette partie était un peu plus longue que je croyais. Bon. Putain, le casque. Ouais, bah je vais le poser. si la vidéo vous a plu. Désolé pour tout le gros bruit, là, c'est le casque qui s'est cassé la gueule par terre. Donc, si la vidéo vous a plu,
Eh ben, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur j'aime, ajoutez-la en favori, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur je sais pas quoi, sur Skype peut-être, je sais rien. En fait, je regarde le peu de trucs que j'ai ouvert en bas. Ouais, je vais pas dire Codeblocks ni Audacity parce que ça fait pas trop. Donc voilà, ben, en espérant que la vidéo vous aura plu, je vous dis ciao à tous, à la prochaine!